C'était jeudi la première réunion de famille coréenne depuis 2010. Ces retrouvailles chargées d'émotions ont permis à des centaines de Sud et de Nord Coréens âgés et à la santé parfois fragile de se retrouver. 80 Sud-Coréens ont fait le voyage dans le Nord où les attendaient 180 frères, sœurs, oncles ou tantes que la guerre de Corée avait éloignés depuis 60 ans. Je voulais tellement te voir, déclare cette femme âgée de 84 ans venue du Sud à Ri, son neveu âgé de 45 ans. Je n'avais pas connu ma propre mère et ma sœur plus âgée, ta mère, avait été comme une mère pour moi. Un des doyens sud-coréens, un homme de 93 ans séparé de sa femme alors qu'elle était enceinte, a découvert pour la première fois le visage de son fils âgé de 64 ans. Les participants avaient été sélectionnés par tirage au sort informatique parmi des milliers de candidats.